Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Benjamin Roy et je suis artiste entrepreneur à Montréal. Et aujourd'hui, je représente Diversité artistique Montréal pour cet atelier. Merci d'être parmi nous pour EDI et moi, The Real Basics, qui fait partie des ateliers Train de Mass Culture. Nous avons conçu une formation pour aider les personnes travaillant dans le secteur culturel à comprendre certains des fondements de la terminologie et de l'application de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, ou EDI, comme on l'appelle communément. Notre formation aujourd'hui est en français et sous-titrée en anglais, mais il y a aussi une transcription écrite en français disponible sur les sites web où se trouve cette vidéo. Nous avons fait de gros efforts pour que la vidéo, les infographies et sa présentation soient claires et accessibles. Mais n'hésitez pas à contacter les organisateurs avec des commentaires qui pourraient nous aider à améliorer cette formation. Nous allons montrer une adresse électronique où vous pouvez écrire vers la fin de la vidéo. Alors, nous allons d'abord prendre un moment pour faire une transition correcte vers ce travail important. Commençons aujourd'hui par une reconnaissance de la Terre. Pour nous, cette reconnaissance territoriale est un premier pas et non la seule action que nous, en tant qu'organisation, souhaitons entreprendre pour participer à la pleine reconnaissance des peuples autochtones et à la réconciliation. Je suis moi-même situé sur Geojagge, aussi connu sous le nom de Montréal, et je vous invite à prendre un moment maintenant pour honorer le territoire ou la région où vous vous trouvez actuellement. Diversité artistique Montréal est implantée sur le territoire ancestral de Gananggehaka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Que nous soyons immigrants ou descendants de réfugiés ou descendants de colonisateurs, il est de notre responsabilité collective de nous rappeler que nous sommes ici parce que les territoires des Premières Nations ont été colonisés. Alors maintenant, je voudrais faire une petite présentation de Diversité artistique Montréal, ou DAM pour faire court. DAM a été officiellement créé en 2006, même si les discussions sur la nécessité d'un tel organisme ont débuté en 1994, se sont finalement concrétisées en 2004, lorsque le Conseil des arts de Montréal a doté le DAM d'un pupitre dans ses locaux. Devenu sa propre OBNL en 2006, aujourd'hui, plus de 1600 artistes de plus de 100 pays ont franchi ses portes. DAM compte actuellement plus de 3500 membres actifs. L'organisme poursuit sa mission à travers trois centres d'activité. Au service des membres, DAM accompagne les professionnels ou en voie de professionnalisation à travers des rencontres individuelles d'orientation et de développement, des formations et un programme de mentor. Nous avons également plusieurs projets structurants qui créent des opportunités pour les artistes que nous accompagnons, qui rencontrent souvent des obstacles systémiques. Pour apporter des changements fondamentaux au milieu culturel, nous avons le deuxième centre d'activité, la cellule IDAM ou sensibilisation. Son principal objectif est de sensibiliser, mais aussi de soutenir et surtout d'outiller les organismes en matière d'EDI et de mettre en avant les réalités des minorités visibles. L'atelier d'aujourd'hui en fait partie. Dans le cadre de notre mission politique, la cellule IDAM surveille les questions du racisme et d'inclusion et fait des recommandations pour atteindre l'équité culturelle dans les arts. Ce centre d'activité nous aide à créer ou à participer activement à des initiatives qui visent à combattre les barrières systémiques auxquelles sont confrontés non seulement les artistes, mais aussi les organismes dits de la diversité et les travailleurs culturels. Commençons avec le plan d'aujourd'hui. La série EDI and Me, The Real Basics, est destinée à ceux et celles qui souhaitent accroître l'équité culturelle et l'inclusion dans leurs organisations ou leur vie personnelle. Nous voulons créer une conscience et une sensibilité personnelle qui continueront d'évoluer après la formation. Le contenu a été conçu pour un public en début d'apprentissage, mais nous savons que nous sommes tous dans un état de transformation continue par rapport à ces enjeux.
Nous avons intérêt à partager notre expérience, mais pas à vous enseigner ou à être définitif sur le sujet. La formation est divisée en trois modules: comprendre le terrain, l'impact des préjugés et vers une approche générative. Aujourd'hui, nous allons commencer par le module 1, comprendre le terrain. Les trois modules de la formation sont itératifs. Vous devez suivre successivement chacun des trois modules pour bien suivre l'enseignement. Cette formation est composée de deux parties. La première s'appelle « De qui parle-t-on? » où nous explorons la terminologie et les statistiques autour de ladite diversité. Et ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons, la petite particule que nous avons ajoutée aux artistes divers. Ensuite, nous explorons « De quoi parle-t-on? » où nous reviendrons sur certains des sujets qui ont marqué l'actualité et remonterons le temps pour comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Tout au long de ce module, nous explorons les terminologies et concepts parce que nous voulons construire un vocabulaire commun. On ne peut pas tout passer en revue dans l'espace de cette vidéo, mais on va vous donner une bonne passe. De plus, nous savons que ces mots et ces concepts changent constamment, mais pour pouvoir communiquer, il faut être sûr qu'on commence à se comprendre, qu'on a plus ou moins la même définition des mots. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes tous différents. Des niveaux de connaissance sur les questions d'inclusion, nous pouvons nous permettre de faire des erreurs. Nous aborderons certainement, des sujets parfois lourds, pourquoi il s'agit d'écrire un malaise et d'y revenir plus tard, à d'autres moments où il peut être important de mettre la vidéo en pause pour réfléchir en silence. Comme je l'ai mentionné plus tôt, à la fin de la vidéo, nous laisserons une adresse e-mail où vous pourrez nous contacter avec des questions. De qui parle-t-on? Dans le cadre de notre mission et de nos activités, Dame est constamment appelée à réfléchir sur les termes que nous utilisons afin d'être cohérent avec notre mandat et la mission que nous défendons. Nous en sommes venus à remettre en question le terme diversité lui-même. Après une longue réflexion, Dame a décidé de prendre position. À partir de là, nous avons utilisé l'expression les artistes dits de la diversité parce que nous n'étions pas satisfaits du nom artistes de la diversité. En insérant le mot dit, cela permet de parler de la réalité des différences, des différentes personnes récemment arrivées à Montréal ou au Québec, les immigrants qui sont ici depuis un certain temps, leurs enfants, et aussi les personnes visibles et minorités audibles, pardon. Ce terme dans lequel dit est mis en avant permet de souligner la catégorisation diversité qui s'impose à ces artistes. C'est une construction sociale, raciale qui trace automatiquement une ligne entre eux et nous, Québécois et Canadiens blancs, et aussi parce que les artistes ne se présentent pas comme des artistes de la diversité, ils se présentent comme des artistes, point final. Et de fait, nous faisons tous partie de cette diversité, c'est-à-dire de la pluralité de nos villes, de nos provinces, de nos territoires et de cette terre que nous partageons avec les Autochtones. Nous considérons qu'il est arbitraire de parler de diversité lorsqu'il s'agit d'individus appartenant à des communautés ethnoculturelles autres que blanches, qui sont considérées comme la norme. Les termes dits de la diversité, n'est pas une prescription. Ce n'est pas parce que nous l'utilisons que nous vous demandons de l'utiliser. Nous avons regroupé trois réalités au sein de cette expression, mais il faut garder à l'esprit que ces différentes réalités peuvent être totalement différentes. Les immigrants nouvellement arrivés ou de plus longue date, les personnes qui s'identifient comme minorités visibles en vertu de la loi canadienne sur l'équité en matière d'emploi, le terme minorité visible définit toutes les personnes non blanches et non autochtones. Et enfin, personnes racialisées, ceux qui sont racisés, qui sont nés ici ou ailleurs, une personne racisée est une personne qui est assignée et réduite à une origine réelle ou imaginaire en raison de sa couleur de peau, de sa religion, de sa langue ou encore de son nom. Il y a donc une différence entre les minorités visibles et les personnes racialisées. Une personne appelée Farida pourrait avoir la peau blanche, mais être racialisée par le simple fait qu'elle porte un nom, entre guillemets, d'ailleurs. Une autre expression
que vous avez peut-être entendu est PANDC. Cela fait référence aux personnes autochtones noires et de couleur. Il est important de noter ici que même si les Autochtones peuvent rencontrer les mêmes obstacles systémiques que les minorités visibles et les personnes racialisées, puisqu'ils étaient sur le territoire bien avant les colons, ils sont considérés comme étant en dehors de la situation des personnes racialisées ou des minorités visibles, du respect de leur statut autochtone et du génocide culturel qu'ils ont subi et continuent de subir aujourd'hui. Les enjeux sont différents. Vous avez peut-être aussi entendu un autre terme, personne marginalisée, qui fait référence aux personnes qui vivent en exclusion systémique en raison de leurs racines ethnoculturelles, de la couleur de leur peau et de leur sexe ou de leurs expressions sexuelles, de la neurodiversité ou de leur capacité physique. Jetons un coup d'œil à quelques statistiques. Connaissez-vous le pourcentage de personnes qui s'identifient comme minorité visible, par exemple à Montréal où j'habite? Est-ce 18,7%, 32,9% ou 52,3%? Ainsi, selon les statistiques de la Commission des droits de la personne pour les jeunes, 32,9% de la population de Montréal considère comme une minorité visible. Cela représente une personne sur trois. En 2041, environ deux Canadiens sur cinq feront partie d'un groupe racialisé. Le taux de chômage des groupes de minorités visibles était plus élevé que celui des Blancs, à 9% et 8% respectivement. Cet écart est encore plus grand pour les femmes. Les femmes de minorités visibles ont en moyenne un taux de chômage de 10%, comparativement à 6% pour les femmes blanches. Voici une autre statistique pour vous. Au Québec, combien de rôles au théâtre et au cinéma sont joués par des artistes dits de la diversité ou par des artistes autochtones? Est-ce que c'est 25, 0,5 ou 5%? À ce jour, il n'existe pas d'étude exhaustive permettant de dresser un portrait complet sur la présence des artistes dits de la diversité, sur la scène culturelle. Il existe au Québec des recherches à très petite échelle qui ont cependant permis de mettre en lumière certaines données. Ces chiffres ne peuvent pas être représentatifs de tout le Canada et de toutes les régions, mais ils sont assez précis. Bien, les médias rapportent en 2014-2015 que seulement 5% des rôles principaux étaient tenus par des artistes dits ou par des artistes autochtones. En 2015-2016, cette proportion a passé à 3%. Aucune étude n'a été faite depuis. Au théâtre, 8 à 10% des contrats sont détenus par des artistes dits divers. Au niveau des écoles de théâtre francophones, moins de 10 diplômés en théâtre ont été racialisés au cours des 4 dernières années. Dans certains cas, cela peut s'expliquer par certains préjugés répandus dans le domaine qui font que ces personnes n'ont pas de formation reconnue et sont donc moins bonnes. Il y a aussi le fait qu'il y a une tendance à les enfermer dans certains stéréotypes, ce qui réduit les rôles qui pourraient remplir les artistes dits de la diversité. Souvent, les pièces ne parlent que de personnages blancs ou des problèmes de genre d'ici. Il en va de même pour le cinéma, où la majorité des contrats portent sur des rôles stéréotypés écrits spécifiquement pour les minorités visibles. Bien que les minorités visibles soient de plus en plus présentes dans l'industrie cinématographique, il y a encore très peu d'acteurs racisés pour des rôles où le profil racial n'est pas spécifié dans le scénario. Dans le domaine de la musique, on note également une faible représentation des artistes dits de la diversité sur le devant de la scène musicale. Par exemple, il y a peu de ces artistes qui sont nominés pour des prix. L'industrie musicale en général a plusieurs catégories pour essayer d'inclure la diversité, comme la musique du monde, dans un effort pour prendre en considération les musiques d'ailleurs ou dans d'autres langues. À noter que les nominations sont souvent soumises par des entreprises ou des particuliers, producteurs, maisons de disques, managers ou agents qui nomineront leur artiste. Ce point de départ implique que l'artiste à nommer soit représenté par un producteur, alors
que l'on sait que les artistes racisés et ou immigrés sont beaucoup plus rarement représentés. Bien que les choses s'améliorent dans ces secteurs, on retrouve une sous-représentation à la télévision, dans les publicités, les magazines et les livres. Avec tout ça, on comprend aisément que la sous-représentation des artistes dits divers s'inscrit dans un cercle vicieux. Cela commence par vous. Vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas représenter dans l'espace public, en politique, dans les médias. Vous ne pouvez pas vous identifier, vous intégrer l'idée que vous ne pouvez peut-être pas être enseignant ou gestionnaire, par exemple, ou si vous ne vous sentez pas représenté en politique, vous n'avez pas envie de voter. Cela a pour effet de ne pas dynamiser la société. Vous ne développez pas un sentiment d'appartenance. Cela conduit les gens à ne pas participer, ce qui peut également conduire à la ségrégation. C'est un vrai cercle vicieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre des notes ou réfléchir à ce que vous avez entendu ou faire plus de recherches par vous-même. Sinon, cela nous amène à la deuxième partie de notre présentation d'aujourd'hui. De quoi parle-t-on? Mais avant de commencer, un petit avertissement. Ces sujets sont assez sensibles et pourraient déranger certains d'entre vous. Donc, si vous vous sentez mal à l'aise à un moment donné, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou passez directement à la section où vous voyez l'entête xénophobie. Pour mieux comprendre ce que le racisme aujourd'hui, il faut remonter dans le temps pour le replacer dans son contexte et savoir de quoi on parle. Le mot race est apparu pour la première fois au 15e siècle. Mais il n'avait aucune connotation dans notre concept de race aujourd'hui et était utilisé pour définir l'hérédité aristocratique. Cela avait à voir avec la classe sociale. Au cours de ce même siècle, les pays européens, principalement la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, entament un grand projet de colonisation. Non pour acquérir des terres, mais pour s'enrichir. Les conquêtes ont avancé dans les Amériques, ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et des scribes et ont été amenés pour noter tout ce qu'ils rencontraient, nouvelles espèces animales et végétales, nouveaux peuples, etc. Ils ont découvert de l'or, mais ce qui leur manquait, c'est les ressources humaines pour les exploiter. Les colonisateurs se posèrent bientôt une question. Les Indiens, qui furent rapidement exterminés, peuvent S'il est réduit en esclavage pour extraire l'or, c'est l'infâme débat de Valladolid qui parut en 1550. Le roi d'Espagne, Charles Quint, se demandait, les Indiens ont-ils une âme? Il a décidé qu'ils en ont un, afin qu'ils ne puissent pas être réduits en esclavage. Mais le pape de l'époque, Jules III, répondit que si les Indiens avaient une âme, la population noire n'en avait pas et pouvait donc être asservie. Et c'est ce qui a déterminé le sort de 50 millions de personnes, puisque la traite des Noirs s'est mise en place à cette époque. Cette décision a conduit au commerce triangulaire, des armes, des textiles et du vin ont été expédiés d'Europe vers l'Afrique, des esclaves d'Afrique vers l'Amérique et de l'or, du sucre et du café des Amériques vers l'Europe. C'est ainsi que s'est instauré l'esclavage colonial africain. Ce système a si bien fonctionné qu'en 1685, un petit livre a été publié appelé Le Code Noir, qui était destiné aux commerçants pour exploiter correctement les Noirs. Il est clairement écrit qu'un Noir n'est l'équivalent d'un meuble. Il est transférable, vendable et doit satisfaire l'homme blanc. Ce projet colonial à l'époque était étayé par diverses études pseudo-scientifiques. Les différents peuples rencontrés étaient alors classés et bien souvent exposés dans des cages à la cour des cabinets de curiosité. À partir du 17e et 18e siècle, des études anthropomorphiques ont commencé à être menées pour mesurer le volume des crânes et définir que l'homme blanc était bien supérieur à tous les autres peuples. Cette étude a été arrêtée dès que le contraire a été constaté. En effet, le volume des crânes asiatiques était supérieur à celui des blancs.
Cette classification est devenue la base première d'une vision raciste et hiérarchisée du monde. Avec le racisme, ce n'est plus le rapport de classe qui compte. La couleur est devenue un destin en soi. Cette conception raciste, élitiste, s'est popularisée à la fin du 19e siècle et est devenue le siècle de la première rencontre avec l'autre. Peu de gens voyageaient loin de cette époque. Des spectacles anthropologiques ont donc été créés dans des zoos ou lors d'expositions coloniales. Vers 1870, ces zoos humains étaient organisés dans toute l'Europe pour les classes populaires. Divers peuples ramenés d'expéditions, pardon, étaient exposés. De 1870 à 1930, on estime qu'il y avait près de 30 000 personnes exposées dans ces zoos humains et 750 millions de personnes qui les fréquentaient. Cela est devenu une partie de l'inconscient collectif de la race. C'est ainsi que le racisme s'est répandu dans le monde entier. Incroyablement, le dernier de ces zoos a eu lieu à Bruxelles en 1958, il y a moins d'une vie. Cette histoire est troublante car elle provoque une confrontation violente avec quelque chose qui s'est passé si récemment. Peut-être pensez-vous, mais l'Europe est loin, il n'y avait pas de zoo humain ici. Mais rappelons-le, le lien avec le Canada n'est pas seulement lié à une histoire de colonisation française et anglaise, avec la dimension raciale que cela implique pour les peuples autochtones, les Noirs asservis et les cheminots chinois, mais aussi le Canada s'est construit sur une histoire de migration. D'abord des populations européennes qui auraient connu génération après génération ces zoos humains et forgé un imaginaire collectif raciste envers les populations non blanches. Ce n'est pas parce que les colonies ont disparu que le racisme, lui, a disparu avec elles. Des exemples contemporains sont des migrants haïtiens des États-Unis qui sont détenus indéfiniment dans des prisons sans être repatriés, ou des travailleurs migrants mexicains en Ontario qui vivent dans des conditions précaires, et des lois comme la loi islamophobe du Québec 21 qui cible injustement la communauté musulmane. Ce sont des exemples de racisme contemporain. Maintenant que nous en savons plus sur l'origine et l'histoire du racisme, nous pouvons mieux comprendre comment le racisme peut se propager inconsciemment. Bien que les races n'étaient pas à l'origine liées à l'ethnicité comme nous l'avons vu, aujourd'hui le racisme est défini comme un système de pensée qui hiérarchise les races selon des normes centrées sur l'Occident. Ce type de pensée, également connu sous le nom de supériorité blanche, place la personne blanche au cœur de son dialogue. Pour cette raison, les effets du racisme touchent de nombreuses autres personnes racialisées. Si nous traçons ici les racines du racisme principalement dans la perspective africaine, c'est parce que c'est au sein de l'esclavage africain et européen que le concept connu sous le nom de racisme s'est imposé en Europe. Cependant, il est également important de rappeler qu'il y avait d'autres formes d'esclavage et de nombreux autres peuples blancs qui ont hiérarchisé les races en leur faveur aussi. Mais ici, aujourd'hui, en Amérique du Nord, nous nous concentrons sur les personnes racialisées dans notre société parce que nous devons d'abord nous attaquer au problème de l'endroit où nous vivons. On entend souvent parler de racisme anti-blanc, mais vraiment, ça n'existe pas. L'histoire du racisme et de sa hiérarchie qui place les blancs au sommet, puisqu'il a été construit par des blancs, décrit un différentiel de pouvoir. Il se peut qu'une personne blanche soit victime de xénophobie, cependant. Ce type de xénophobie pourrait être très blessant et lorsque nous parlons de la diversité comme inclusive de tous, nous devons nous préoccuper du bien-être de tous. Cependant, ce n'est pas du racisme, car en fin de compte, c'est la personne blanche qui a un privilège systémique en histoire. Les enjeux de société qui nécessitent des changements majeurs demeurent le racisme envers les personnes de couleur, les autochtones, ainsi que la marginalisation, pardon, des personnes issues des communautés LGBTQ2S+, neuroatypiques et en situation de handicap. Développons, pardon, une différence entre le racisme et la xénophobie.
La xénophobie est une hostilité à l'étranger, plus précisément envers un groupe de personnes ou un individu considéré comme étranger à son propre groupe. Une personne xénophobe a peur qu'une personne dont l'origine est différente de la sienne fasse disparaître sa propre culture. C'est cette peur qui conduit souvent à un comportement de division qui ressemble au racisme. Elle conduit les personnes xénophobes à désigner l'étranger comme une menace pour la société et vouloir l'éloigner en affirmant que sa culture est incompatible avec la leur. Le racisme demeure un effet historique et socialement ancré qui cible plusieurs populations depuis des centaines d'années. Alors, l'une des manifestations du racisme dans notre société est le racisme systémique. Le racisme systémique est un arrangement institutionnel qui maintient les Blancs au sommet d'une pyramide et continue d'exclure les personnes racialisées. Et c'est quelque chose que nous avons hérité du passé. Nous sommes passés d'un racisme individuel et conscient à quelque chose de plus sous-jacent, inconscient et collectif. Cela signifie qu'une personne racisée aura plus de mal à trouver un logement, un emploi et à obtenir des soins médicaux appropriés, mais aussi au niveau de la justice où il y a plus de profilage racial qui biaise les gens contre les personnes de couleur. Donc, le racisme systémique imprègne les façons de faire, puisque nous avons le système et des lois qui n'ont pas été mises à jour et ne sont plus remis en question et qui continuent de produire de l'exclusion. Par exemple, il est possible que certains documents officiels excluent une catégorie de personnes, alors que ce n'est pas du tout l'intention au départ. Par exemple, un formulaire avec une question de type, si vous avez fréquenté l'une des écoles suivantes, votre statut professionnel est automatiquement reconnu et qui ne répertorie que les écoles de votre région sans cause autre ou équivalent. Cette forme est un exemple d'exclusion et de racisme systémique. Comment interpeller nos organisations, aussi bien DAM que les gouvernements, à interpeller les mécanismes législatifs créateurs d'exclusion, à les déconstruire et à les reconstruire autrement? C'est tellement difficile de combattre le racisme systémique, justement parce qu'il est partout et qu'on ne le voit pas forcément. Alors voici un exemple tragique. Le 28 septembre 2020, la femme Atikamekw Joyce Eshequan est décédée alors qu'elle recevait des insultes racistes de la part du personnel hospitalier. Voici une citation de Jehan Kamel, le coroner aux audiences publiques de la mort de Joyce Eshequan, qui dit que la chef des services de l'hôpital n'a pas tenté d'enquêter sur la situation avec le sérieux qu'elle requérait lorsque les événements, pardon, lui ont été rapportés. Quand le système se replie sur la défensive, poursuit Kamel, c'est la définition même du racisme systémique. Le racisme systémique est insidieux. Pourquoi parle-t-on tant d'équité, d'inclusion et de diversité maintenant? Eh bien, depuis environ 10 ans, il y a eu une série d'événements qui ont soulevé la conscience sociale dans la société nord-américaine, qui a trouvé un écho dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Nous avons le mouvement Idle No More en 2012, qui est un mouvement de protestation des Premières Nations en réponse de l'adoption par le gouvernement de Stephen Harper d'une législation omnibus qui violait les traités autochtones. Depuis lors, le mouvement s'est développé pour englober des questions plus larges des droits et des souverainetés autochtones. Le mouvement a contribué à galvaniser la résurgence autochtone et à relancer les débats autour de la loi sur les Indiens, vieille de 150 ans. Prochainement, nous avons le mouvement Black Lives Matter, ou BLM, a pris forme aux États-Unis dans les communautés afro-américaines en 2013. Le mouvement dénonce le profilage racial et milite contre les brutalités policières envers les Noirs. Le BLM devient ainsi, au fil des années, le porteur de la lutte contre le racisme systémique envers les Noirs et par extension contre les Autochtones et les personnes racisées. L'idée de PANDC. Ensuite, nous avons le mouvement hashtag MeToo.
a eu des répercussions mondiales instantanées à la suite de l'affaire du violeur condamné Harvey Weinstein à partir de 2017. Beaucoup pensent que le mouvement a été lancé par l'actrice Alyssa Milano, mais il a en fait été lancé par Tarana Burke en 2006, qui s'exprimait contre la violence sexuelle contre les jeunes adolescentes noires. Au Québec et au Canada, plusieurs personnalités ont été dénoncées. Et au Québec et ailleurs au Canada, les incidents de haine raciste abondent. Les signalements d'incidents racistes anti-asiatiques au Canada ont augmenté de 47% en 2022 par rapport à 2020. Notre source, CBC. Nous avons parcouru quelques exemples, et il y en a d'autres, qui ont déclenché un nouveau mouvement vers l'équité, la diversité et l'inclusion. Ce sont des souvenirs difficiles, des réalités difficiles. Mais ce sont ceux que nous vivons et qui affectent le secteur dans lequel nous travaillons. Nous devons parler d'eux. Il y en a tellement plus à apprendre et nous vous invitons à nous rejoindre pour le reste de cette série, à lire la transcription disponible sur la page de Mass Culture et Train. Nous sommes à la fin de cette formation aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance. Thank you.